Juin, Emel me manque. Il faut que je réussisse à passer 3 semaines en... que ça me fasse pas souffrir. Est-ce que on me voit? Est-ce que le micro marche? J'ai l'impression que oui. Olá pessoal, seja bem-vindo neste vídeo, novamente 100% em francês e como sempre, agora você já sabe, você pode baixar o material de apoio clicando no link na descrição deste vídeo. C'est parti en français les amis, par où commencer? Je suis en France, au moment où je vous parle, je suis dans la maison de ma maman à Venanceau. J'ai déjà fait une espèce de visite des objets bizarres de chez ma maman. Je vous mettrai le lien en description. Je suis partie lundi, j'ai pris l'avion lundi à Brasilia avec une escale à Campinas pour arriver ensuite à Orly le mardi. Quand je viens en France, mon voyage il commence toujours un peu avant. Puisque j'aime bien venir avec des petits cadeaux. Je me débrouille toujours pour acheter des choses qui sont pas forcément très chères, mais qui sont quand même assez symboliques. J'aime bien aller dans des petites boutiques où il y a des petites choses un petit peu designées. Moi, j'aime beaucoup faire ça parce que ça fait des petits souvenirs originaux. Je suis pas obligée de casser ma tirelire. Et ensuite, j'arrive dans ma famille et chez mes amis, pas tout à fait les mains vides. Ensuite, eh bien, j'ai fait ma valise. Le vocabulaire de la valise. Alors, je commence avec mes petits cadeaux. Et là, c'est du chocolat que j'ai acheté à Brasilia. J'adore cette marque, je trouve ça très bon. Un autre cadeau, d'ailleurs, j'en profite. On dit bien en français « faire un cadeau » et qu'on n'utilise pas vraiment « donner un cadeau ». Donc, j'ai fait des cadeaux. Ici, j'ai fait faire des petites plaques avec les noms de mes neveux qui reproduit la signalétique de Brasilia, les panneaux de Brasilia. Donc j'ai trouvé ça très chouette. Une paire de tennis, un ciré si j'ai besoin de marcher sous la pluie. Pas très beau, mais très pratique. Un coupe-vent qui n'est pas imperméable, mais qui est un petit peu plus élégant. Un manteau plus chaud quand je serai dans l'est de la France, à mon avis, j'en aurai besoin. Et aussi de cette écharpe. Un pull, une salopette, un gilet assez chaud, c'est sûr je vais le mettre. Une jupe, une robe à manches longues que je pourrais mettre avec des collants s'il fait froid. Des chaussures un petit peu plus grosses s'il pleut. Et bien sûr, des t-shirts manches longues pour me protéger du froid, très important. Ma trousse de toilette avec tous mes produits à l'intérieur. Et mon sac à dos pour le voyage. Je suis prête. Ah, non. Des pasoka et goyabada, très important, ma famille adore. C'est bien, on en profite pour voir un petit peu le vocabulaire et pour que ça puisse un petit peu vous orienter si vous avez vous-même un voyage prévu en France à cette période de l'année, c'est-à-dire à l'automne, où il commence déjà à faire un petit peu froid et pluvieux. Donc je suis arrivée mardi à Paris, à Orly, et j'ai loué une voiture parce que je suis en France pour 3 semaines et que j'avais besoin d'être assez libre, de pouvoir me déplacer facilement. En général, je prends beaucoup le train quand je suis en France, mais cette fois, j'avais pas mal de trajets à faire et avec les valises et pour ne dépendre de personne, c'était plus facile de louer une voiture. Donc c'est ce que j'ai fait. Le programme de ce voyage, c'était de passer une nuit à Créteil parce que après beaucoup d'heures de voyage, d'avion, sans dormir. J'avais pas envie de prendre la route, donc j'ai dormi chez mes copines à Créteil. Il est presque 2h du matin ici en France. Je suis debout depuis, je pense que 37 heures. J'ai passé la soirée avec mes copines. Et elles m'ont trop manqué. On a discuté, on a rigolé, on a bu du vin et mangé des trucs et du chocolat. Créteil, c'est en banlieue parisienne. Et d'ailleurs, c'est une recommandation que je fais.
un conseil pour ceux qui vont rester un petit peu à Paris, qui cherchent un endroit pas trop cher pour se loger. Souvent, moi, je recommande de trouver peut-être un Airbnb en banlieue parisienne. L'important, c'est que le métro soit à proximité, mais vous n'avez pas besoin de trouver un logement au pied de la Tour Eiffel, c'est ça que je veux dire. Parfois, le fait de s'éloigner un peu du centre, ça va tout de suite être moins cher. Vous pouvez trouver des endroits un peu plus grands et à condition qu'il y ait le métro juste à côté, ce sera très facile. En 20 minutes, vous serez certainement dans le centre de Paris. Donc, par exemple, c'est le cas de Créteil. Donc, le programme de ces 3 semaines, à peine 3 semaines, le mercredi, de faire le trajet Créteil-Venanceau, donc chez ma maman. J'avais prévu d'arriver plus tôt, mais j'ai dormi jusqu'à 12h30 avec le décalage horaire et la fatigue. Je ne me suis pas réveillée. Donc, j'ai pris la route l'après-midi et je suis arrivée à Venanceau en fin de journée. Le jeudi, je suis allée me promener un petit peu avec ma maman, faire quelques achats et ensuite j'ai dîné chez mon frère le jeudi soir. J'ai également fait mon direct puisque je suis en France mais je continue à faire les directs sur YouTube. Donc le dernier direct, on a étudié à partir des paroles de la chanson « Il jouait du piano debout ». C'était super cool. Le programme donc c'est de rester chez ma maman jusqu'à lundi. Ensuite, je vais me déplacer jusque chez mes grands-parents qui habitent dans une ville qui s'appelle Chauvigny. C'était un peu l'idée de venir en France pour passer du temps avec mes grands-parents. Donc, je vais y rester, je pense, une petite semaine. Bien sûr, je vous filmerai tout ça. Après Chauvigny, il est possible que je passe à Tours, où je suis invitée chez des amis brésiliens. Après Tours, direction Dijon, chez mon ami Alain. C'est un ami que j'ai rencontré sur le chemin de Compostelle. Ça, c'était il y a déjà pratiquement 15 ans, mais Alain est toujours mon ami aujourd'hui et il habite à Dijon. Célèbre pour sa moutarde, la moutarde de Dijon. Donc, je vais à Dijon. Après Dijon, je dois remonter jusqu'à Mulhouse, la ville d'un autre de mes frères, côté de mon père biologique. Donc, je vais lui rendre une petite visite à lui et à sa famille. Il a 2 enfants que je ne connais pas. Il en a 3. Il en a un que je connais déjà. Mais il a eu 2 autres fils que je ne connais pas encore. Donc, je vais les rencontrer. Et après Mulhouse, je boucle la boucle et je retourne à Créteil pour quelques jours. Et là, je passerai ces quelques jours à justement aller dans Paris pour filmer ce que j'aurais besoin de filmer dans Paris. On est maintenant vendredi. Ce matin, nous sommes allés faire des courses. Faire les courses et fazer compras. Et on prononce bien le S ici, faire les courses. À ne pas confondre avec faire la course, que seria fazer uma corrida, ou faire un cours, que seria fazer un curso. Donc faire les courses au supermarché. Du pain de mie, pain du forme, pain de mie on appelle ça en français, de la mâche, des steaks hachés, ça c'est pour ce midi, du fromage à raclette, l'incontournable de l'apéritif ce sont les apéricubes, en fait c'est des petits fromages à l'unité comme ça, des apéricubes. Et en fait, c'est convivial parce que tu les ouvres et à l'intérieur, il y a des questions auxquelles il faut répondre. Bon, les apéricubes, c'est vraiment incontournable des apéros en France. Du jambon blanc. Tout ça, c'est de la charcuterie. On appelle ça de la charcuterie. Et ça, qu'est-ce que c'est? De la viande des grisons. Donc en fait, la raclette, demain, c'est du fromage qu'on met dans un petit appareil, je vous montrerai, avec des patates, des pommes de terre, en général à la vapeur ou à l'eau, et de la charcuterie, tout simplement. On continue avec l'autre sac. Des chips. J'ai pris de la tisane nuit tranquille pour dormir. Verveine, feuilles d'oranger, camomille et tilleul. Voilà.
des petits toasts, c'est des petites tranches de pain pour faire des toasts, des petites tartines. Du Porto, ça c'est l'apéritif que ma maman, elle aime bien, le Porto. Et elle a pris aussi du muscat, donc c'est sucré, un vin doux naturel. Des serviettes en papier. Ok, c'est ça. Et maintenant, je vais ranger ça. Depuis que je suis arrivée, il fait un temps très mauvais. Il pleut, il fait quand même assez froid, humide, gris, enfin bref, la France dans toute sa splendeur, tout ce qui m'a fait quitter la France en fait. Voilà, je vous laisse. Comme toujours, n'oubliez pas de télécharger le document en PDF avec très certainement la transcription de cette vidéo, mais aussi du vocabulaire important. N'oubliez pas non plus de participer au prochain direct. Si vous avez besoin de quelque information, que ce soit au sujet du cours en France, au sujet des rencontres de conversation sur notre plateforme en ligne La Fabrique, le numéro est également en barre d'infos. Muito obrigada por ter passado esse momento comigo. Eu fico por aqui e a gente se vê semana que vem com mais aventuras na França. Bisous!